En 18 ans, Gérard Guidi a développé un modèle de centre esthétique, une référence dans le monde entier. En 2016, plus de 2500 personnes de 31 nationalités différentes ont fréquenté le centre esthétique de l'océan Indien qui génère un chiffre d'affaires de 5,7 millions d'euros. Le centre a optimisé sa technique de l'implant capillaire et se spécialise en chirurgie esthétique et dentaire. L'entreprise a investi massivement dans les équipements médicaux de dernière génération et dans un savoir-faire international. Ancien joueur de rugby de haut niveau, Gérard Guidi a su insuffler à ses 52 employés un esprit d'équipe pour faire de son centre un modèle de tourisme médical. Bénéficiant du label Carbone Zéro, le centre esthétique se définit comme un petit coin de paradis où le client est pris en charge de A à Z. Le centre esthétique de l'océan Indien offre tout le confort pour une remise en forme totale. Gérard Guidi continue à transmettre sa passion pour le ballon ovale en entraînant l'équipe nationale de rugby. Cette nomination, c'est la récompense pour toute une équipe qui s'est investie depuis plus de 15 ans maintenant, avec beaucoup de difficultés. Ça n'a pas été facile de construire une entreprise comme ça. On a eu beaucoup de difficultés, mais comme j'ai réussi à inculquer les valeurs qui sont les miennes, qui sont les valeurs que j'ai apprises au rugby, à toute l'équipe, on s'est battu, tout le monde s'est battu à mes côtés, et aujourd'hui on est arrivé à avoir l'entreprise qui est la nôtre, une destination Maurice qui est reconnue dans le monde entier. C'est surtout dû au travail humain qu'on a pu effectuer dans cette équipe. J'ai tendance de dire qu'on ne peut pas avoir de progrès professionnel sans progrès humain. Et je crois que ce qui caractérise cette entreprise, c'est vraiment le côté humain. Merci.